Tu fais copieusement tabasser. Mais je ne sais pas parce que je ris. Elle m'a tapé. Ma docteur m'a tapé. Copieusement tabassé, mes gens. Mon chapeau s'est retrouvé. Mes gens, mon chapeau s'est retrouvé sous le siège de l'enquêteur. Et. Oui, Niki. Mais j'aime toujours un peu. J'aime boire un peu de une gorgée de grenadine, non, pour que ça pétille là. Mais Jean, elle m'a copieusement tapé. Maman, Lène, qui t'a dit que quand on a la bouche, on a la force? Hein? Qui t'a dit que quand quelqu'un a la bouche, elle a la force? Moi, c'est moi la bouche, Emma. Moi, je n'ai pas la force. Toi, quand tu viens me taper, tu crois que j'ai la force? Hein? Tu n'as même pas eu pitié de moi, que j'avais un beau chapeau, j'avais un bel ensemble, j'étais super bien habillée, parce que je devais rencontrer un docteur. Hein? Tu n'as même pas respecté mon habit. Maman, la chicote de ça. Maman, elle m'a tabassée. Hein? Regarde comment j'étais habillée, ma. Et pourtant, j'étais habillée comme ça pour te faire plaisir. Hein? Quand tu disais que, ouais, les vieilles femmes savent aussi un peu se mettre. Je sais comme ça. Hein? Je croyais que tu allais même me dire que, Madame Chapuis, vous êtes belle quand même. Malgré que vous avez une vieille peau, vous êtes belle. Hein? Moi, je m'attendais à ça. Hein? Que je dise, ma petite fille, merci, ma. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Et ne m'attendais pas que tu me tapes jusqu'à jeter le chapeau en brousse. Hein? 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 Et pourtant, je me suis bien habillée pour te rencontrer. Parce que je croyais que peut-être quand on finit là, on va aller au Hilton. On va se taper un buffet au Hilton. On fait un live. Et on prouve aux gens que Facebook, c'est Facebook. La réalité, c'est la réalité. Tu n'as même pas regardé tout ça. Tu m'as copieusement tabassé. L'enquêteur était dépassé. Même le commissaire était dépassé. Mais elle m'a tapé. Qui t'a dit que quand on a la bouche, on a la force? Hein? Qui t'a dit que quand on a la bouche, on a la force? Et ce moi, il t'avait dit qu'il y a la force des bras. Et c'est moi, l'agneau, l'agneau. Hein? Tu n'as pas entendu que, tu n'as pas appris que la bouche peut construire 1 000 étages en Espagne. Hein? Comment tu peux me taper comme ça là que je t'ai habillé comme ça là que je croyais que tu allais dire que, hey, Chapuis, malgré que tu es une vieille peau et que tu es ma mère, tu es quand même soignée. Je m'attendais à ça, ma. Tu m'as tapé, tu m'as. Le coup de poing que tu m'as donné à la tête, là j'ai encore mal. Ma. Hein, tu m'as donné un coup de poing à la tête. Le chapeau a sauté, ma. Le chapeau a fait comme ça. De l'autre côté, ma. Ouais. Est-ce que tu avais alors dit qu'il y a la force? Pourquoi tu ne vas pas alors calculer au quartier? Mieux tu me tabasses au quartier une fois. Hein? Tu m'amènes à la police pour que la police juge. Et tu arrives, tu démontres à la police que là où tu es là, la police même ne sert à rien. Que tu as les muscles. Tu me donnes un coup de poing à la tête, paf, le chapeau pas tomber là-bas. Ah, j'allais même tomber. Ma, ton coup de poing était violent. Hein. Ah. Toi aussi, est-ce que moi, t'as dit que je veux qu'on aille au bras? Je voulais que c'est moi qu'on reste bouche-bouche. Hein, voûte. Marley, Passy, comment tu peux taper ta grand-mère? Tu tapes ta grand-mère pourquoi? Hein? Voilà que tu as tué le dossier. Conclusion. Voilà que tu as tué toi-même ton dossier. Hein? Comment tu peux faire ça? Hein? Comment tu peux faire ça? Mais demain, t'as passé. J'ai eu envie d'aller faire pipi, mes gens. On vous a déjà surpris avec un coup de poing à la tête. Merde. Heureusement que je suis pleine d'amour. Heureusement que j'ai l'amour dans ma vie. J'ai l'amour. Et surtout ce matin, je recevais les photos je recevais les photos de ma fille qui arrivait en Suisse hier soir avec mon fils. Hein? Et que elle m'a envoyé la photo, elle, hein, heureusement,
que j'ai reçu cet amour-là. Hein, ma? Comment tu as fait ça? Hein? Je vais vous montrer. Elle a changé. Regardez. Avec son papa. Ce matin. Vous voyez. Regardez comment je reçois de l'amour. Hein? Regardez. Avec son père. J'ai reçu tout ça. Peut-être c'est pour ça que mes larmes n'ont pas coulé. Hein, vous n'avez pas prévu que tu allais me taper. Hein? Je savais que tu allais me taper. Oh. Si je savais que tu allais me taper. Oh. J'allais mettre le jogging et les baskets. J'ai même mis les talons qui se cassent. Toi-même, tu avais les talons de 60 cm au pied. Maman, le coup de poing d'un voûte. Maman. Malin, tu me tapes que je t'ai fait quoi, ma? Est-ce qu'il y a les pleurs sur Meta? Est-ce qu'on se fait sur Meta, ma? Tous, le chapeau a sauté, mes gens. Le chapeau a sauté. Et que moi, je suis partie pour qu'elle dise que, ouais, maman, malgré que tu es une vieille peau, tu as trois fois mon âge, deux fois l'âge de ma mère, malgré ça, tu es quand même soignée. Mais sache que là où tu es là, si tu prononces encore mon nom, je vais t'arracher deux dents. Encore ça, tu pouvais faire. Mathieu, c'est pas resté tranquille, tu me surprends avec un coup de poing. Est-ce qu'on fait ça? Hein? Est-ce qu'on fait ça? Hein? Hum? Mais Jean, j'ai failli pleurer. Ça, c'était la Guylaine Chapu comique. Vous avez vu, hein? J'ai plusieurs casquettes. Je suis une comédienne. Je suis une comédienne. Vous voyez que je vous ai fait rigoler. Malgré que c'est triste, je vous ai fait rigoler. Hein? Nous sommes arrivés là-bas. Moi, je n'entrerai pas dans les détails. Mais seulement, tu es une... Tu es une fripouille. Oui, il faut que je détende la situation parce que... et je vous jure, pour une femme civilisée que je suis, je venais de retrouver mes esprits. Je venais de retrouver mes esprits. Il fallait que je vous raconte ça en détendant la situation, l'atmosphère, pour que vous ne mesuriez pas la gravité de ce qui s'est passé. Mais, merci beaucoup Rosa, mais il s'est passé quelque chose de très scandaleux. Hmm? Il s'est passé des crises. Voilà, tout à fait réel. C'était scandaleux, mais bon, c'est bien glacé, ma. Mets juste un demi-verre. Dès que j'arrête le jus, là, pendant une semaine, tout mon ventre part. Mais dès que, il ne faut même pas trop me donner ça. Ça me fait pousser le ventre comme il n'est pas permis. Donc, comme j'étais en train de vous dire, on n'a même pas pu faire ce qu'on avait à faire. Elle est sortie de ses gants parce que voilà, elle m'a traité à chaque fois, elle me traitait de, parce que j'ai déjà beaucoup supporté ce qui s'est passé, hein. Parce qu'à un moment là, dès que l'enquêteur a tout apprêté pour oui c'est le gars, c'est ça, pour commencer la confrontation, il a été appelé par son chef est entré. Il est allé voir le patron et nous sommes restés à deux dans la salle. Et elle me dit, Madame Chapuis, est-ce que tu trouves dans le normal qu'on se retrouve comme ça? J'ai dit, ben c'est toi qui as voulu venir à la police. Toi, tu sais que je n'ai fait que des répliques. C'est à un moment, tu m'avais écrit que bon, maintenant j'arrête de t'attaquer. Moi, j'allais arrêter de te répondre. Elle dit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, regardons-nous en face. Tu vois pas que tu as trois fois mon âge? Tu ne vois pas que tu es une vieille peau? Est-ce que j'ai deux fois ta taille? Est-ce que tu as deux fois ma taille? Donc, en fait, le fait qu'on soit resté à deux, elle voulait profiter de ça pour, en fait, pour créer le corps à corps. Parce que là, le type nous avait déjà entendu les deux. Il nous a déjà entendu les deux, mes gens. Quand je vois que c'est dans ce sens qu'elle va aborder, j'ai dit, écoute, on est à la police. Et moi, je n'ai pas envie de t'écouter. Mais Jean, j'ai pris mon téléphone. Et je suis sortie. J'ai claqué la porte. Je suis allée m'asseoir dans un autre bureau pour attendre que le policier arrive.
L'enquêteur arrive. Ça a duré, oula, 45 minutes. J'ai attendu, attendu, attendu. Après, je suis reparti dans le bureau où elle était. Le bureau, on devait nous entendre. Je m'assois. Après, elle dit, dès que j'arrive, je m'assois. Elle reprend encore. Elle dit, je croyais qu'elle avait compris que je lui ai dit que je n'ai pas envie de lui adresser la parole. Elle dit, tu t'es calmé? Tu t'es calmé? J'ai dit, Marlène, je n'ai pas envie... Je n'ai pas envie de parler avec toi en fait. Elle commence encore à élever, m'insulter. Son problème de vieille femme. Elle dit, une vieille femme comme toi, j'ai dit, je suis dans ta grand-mère. Ça peut te calmer. Ça, est-ce que ça peut te calmer? Quand j'ai vu que ça voulait déjà aller en vrai, il y a un policier qui est venu dire, madame, venez, je vous conduis dans l'autre salle, je suis sortie. Je reviens maintenant quand il y a la police, quand l'enquêteur arrive, on s'assoit et... Quand l'enquêteur n'a même pas encore commencé à faire le truc, elle dit à l'enquêteur, est-ce que vous me permettez de poser une question à cette dame? Mais elle a beaucoup de haine. Elle a beaucoup, beaucoup de haine. Et l'enquêteur dit, non, c'est la confrontation. Après, si je trouve nécessaire, vous pouvez vous poser des questions, si je trouve nécessaire. Après, l'enquêteur appelle les trucs et tout pour faire le truc. Après, il appelle les trucs pour nous confronter. Après, elle ouvre son sac. Elle sort les documents qu'elle publie sur moi, là, depuis qu'elle publie. Elle donne à l'enquêteur. L'enquêteur dit, ça c'est quoi? Elle dit, comme elle dit qu'elle n'est pas, elle n'a jamais été condamnée, voilà le mandat. De mandat de quoi là, condamnation, incarcération, que je mérite qu'on exécute. Et l'enquêteur lui dit, mais madame, est-ce que ça concerne la procédure qui vous a amené ici? Elle dit, non, mais je vais verser ça dans le dossier. Il a dit, mais attendez, c'est quoi ça en fait? C'est là que je lui dis, gagne-moi d'abord. Pour celui-ci, on ne fuit pas, on va avancer. Mais j'espère que tu n'auras pas peur de la honte. Tu vois, j'avais, en fait, vous savez que j'ai beaucoup de prestance. Et face aux personnes comme cette dame, je me donne de la suffisance. Et la manière que je m'adressais à elle, je lui ai dit, j'espère que tu n'auras pas honte. Parce que je sais qu'elle aura honte. C'est là qu'elle dit, tu ne me tutoies pas. Tu ne me tutoies pas, tu ne me tutoies pas. J'ai dit, Marlène, je ne peux jamais te vouvoyer. Je ne peux pas te vouvoyer. Elle dit, ne me pointe pas du doigt. J'ai dit, mais. Elle dit, ne me pointe pas du doigt, elle me pointe du doigt. Hein. J'ai dit, mais. En fait, tu te crois, tu te prends pour qui en fait? Elle est déjà debout, hein, avec ses courtes jambes. Elle est déjà debout. Et elle vient déjà m'attraper. Mais Jean, je n'ai pas fléchi, parce que j'estimais que tout le monde, même si tu es bête comment, tu dois avoir quand même des limites. Tu es à la police en fait. Après, le policier dit, allez, 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 on se calme, on se calme, on se calme. On se calme, qu'elle dit, mais on se calme, c'est pour lui dire, c'est à elle qu'on s'adresse, que calme-toi. Parce que moi, je suis très posée. Mais Jean, tu ne peux pas être habillée comme j'étais habillée là. Et tu t'agites. Parce que la bici, quand tu transpires là, ça se voit. Donc, c'est interdit de stresser. Parce que si tu stresses, tu transpires, ça va se voir. Je suis très machin. Elle dit que je ne lui pointe pas du doigt. Pendant qu'elle me pointe du doigt. Oh. Après, ce qui s'est passé. Oui, quand l'enquêteur s'est exclamé que mais arrêtez un peu de vous disputer. C'est là où je lui dis que j'espère que tu n'auras pas honte. Merde, la femme a sauté sur moi, mes gens, le temps que l'enquêteur
la trappe. Maman, le coup de poing était déjà parti. Le chapeau est parti comme ça. Maman, le chapeau est parti en Goulmokon. Le coup de poing a arraché le chapeau. C'était en Goulmokon. Je vous jure que le chapeau était en Goulmokon. C'est comme ça que l'enquêteur sort des gants. Il n'avait jamais vu ça. Je jette mon sac. Quand je fais comme ça, les deux policiers, l'enquêteur, ils m'attrapent. Je commence à trembler. Je tremble. Ils me disent de m'asseoir. Je m'assois. Je demande qu'on me donne rapidement un verre d'eau. Je veux un verre d'eau. On est venu me donner le verre. Et dès que j'ai bu, j'ai dit. Ils ont calmé. Le commissaire même est arrivé. Il est venu. Tout le monde. Et il y avait mes gens. Tout le monde était témoin. Le chapeau était encore là-bas. Je vous dis que là où j'ai été scandalisée, c'est quand cette dame se lève, dit, quand elle voit le commissaire, elle dit, pourquoi elle m'insulte? Pourquoi elle passe le temps à m'insulter? Elle m'insulte pourquoi? Je te dis, ce que tu as fait sur ma mère, hein, ce que tu as fait sur ma mère, je vais te montrer. Comme je vous dis là. Comme je vous dis là. Hmm? Comme je vous dis là. C'est là où j'ai dit, mais je n'ai pas publié ta mère pour rien. J'ai publié ta mère parce que tu as publié ma mère. C'est là où les gens ont dit que... Donc, j'ai décidé de me taire, mes gens. Ce policier qui est parti ramasser le chapeau. Maman, elle est venue me donner. Hein. Elle s'est enlevé mes gens. J'ai enlevé... Maman, vous savez ce qu'il y a la poussière à la police, non? Maman, j'ai enlevé le chapeau. Maman, le chapeau que M. Chapu m'a acheté. Je vous dis que j'ai tapé mon chapeau comme ça, là. Et porté encore mon chapeau. Mes gens... C'est là où quand j'ai bu l'eau, j'ai dit, je ne suis plus en capacité de faire cette confrontation aujourd'hui. Je demande que ce soit renvoyé. Vous voyez un peu, et puis, elle dit, comme si c'est toi qui décidais. Il faut voir comment elle parle. Non, cette fille a un problème. Elle dit, comme si c'est toi qui décidais. Non, elle n'a pas dit comme si c'est toi qui dis. Elle a dit comme si tu avais le choix. C'est à moi qu'elle répond. Quand j'ai dit à l'enquêteur que je n'étais plus en état de faire cette confrontation, qu'on renvoie ça une date ultérieure. Mais là, maintenant, là, je ne fais plus rien. Et j'ai pris mon sac. Je suis allée m'asseoir dans l'autre bureau. C'est comme ça que le chef est sorti, il est parti voir le commissaire. Quand elle l'a dit, comme si tu avais le choix. Donc, je n'ai pas le choix. Je vais seulement faire. C'est là que le commissaire a dit. Quand je suis partie dans l'autre bureau, allez, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé mon avocat. L'avocat a dit, tu ne dis plus rien. Ça va aller devant. C'est là où l'enquêteur vient maintenant et dit, voilà, la confrontation ne va plus se passer aujourd'hui. Moi-même, je ne suis plus... Je sursois tout. Et je fais un rapport de pourquoi la confrontation ne s'est pas passée. Et vous deux, vous devriez signer. Il est allé, il a tapé le rapport. Ça ne s'est pas passé parce que Madame Chapuis a reçu de la violence physique de la part de Madame Mvoutou. Elle a dit qu'elle ne signe pas. Elle a pris son sac, elle est partie. Mais jamais, moi j'ai signé. Sans goûter cyber, maman, le coup de poing de ça. Sans goûter, j'ai signé. Et tout de suite, j'ai dit, j'attendais mon avocat. Mon avocat est arrivé. Et puis maintenant, voilà. La suite, c'est dans quelques jours. Donc voilà ce qui s'est passé. Il fallait que je vous rende compte. Et vous dire que Kadhafi... Mais Jean... Kadhafi a reçu un coup de... Kadhafi a reçu un coup de poing à la tête. Mais le coup de poing était sucré à moi, mort. J'ai adoré ce coup de poing. J'ai adoré ce coup de poing. Vous savez, dans la vie, c'est pourquoi je vous dis, ne souhaitez pas avoir tellement de diplômes. Souhaitez réussir l'école de la vie. Ne souhaitez pas avoir des diplômes, mais souhaitez réussir l'école de la vie. Et je sais pourquoi je dis ça. Donc, c'est comme ça que elle s'est barrée, hein, elle est partie, elle a envoyé balader la police, tout le monde, elle est partie, hein. Mm-hmm.
Exactement. Exactement, Jansan la pépé. Exactement. Non, mais moi, je pense que... Et en plus, moi, je pense qu'elle n'est pas bête, hein. Je pense que quand elle a écouté ma déposition, et tout de suite, elle est sortie quand l'enquêteur n'était pas là. Elle a pris le téléphone, elle est sortie, elle est partie imprimer les documents, les faux trucs qu'elle se balade avec sur Facebook-là, que je suis condamnée. Ça fait que dès qu'elle s'assoit, au lieu de parler du dossier qui nous a amené, elle prend donc plutôt ses documents, elle donne. Vous comprenez? Genre, même si je ne gagne pas le procès, voilà un truc qui la condamne, vous devez l'envoyer en Koundingui. Mais maman, est-ce que tu sais que tu as affaire à la bête de la République? Et que je t'ai déjà dit que c'est un perdant. Tu rêves. Est-ce que t'as pas compris ça? C'est là où, devant tout le monde, j'ai pris toute la presse à témoin quand elle me menaçait. Hein? Ce que tu as fait à ma mère et tout et tout. J'ai dit, quand vous l'entendez parler de sa mère là, c'est elle qui a publié sa mère. Hein? C'est elle qui a publié sa mère. Hein? Et si vous allez sur son mur, vous allez voir à quelle heure elle a publié sa mère et mon mari et à quelle heure j'ai rabâché sur mon mur. On ne pleure pas sur Meta. Quand tu n'as pas le cœur, ne viens pas sur Facebook. Quand tu n'as pas le cœur, mais quand tu as la bouche pour insulter, il faut avoir le cœur. Tu as goûté à la réalité. À quelle réalité? Bon, ce n'est pas parce que j'ai dit un coup de poing. Hein. Moi, je vous ai déjà d'abord dit au départ que je suis comique. C'est-à-dire que j'adore la comédie. Voilà, j'aime faire rire les gens. La preuve en est que vous avez ri jusqu'à quel coup de poing, vraiment, vraiment. Voilà. C'est pas parce que je dis qu'au coup de poing, elle m'a donné un coup de poing à la tête. Mais c'est un acte fatal. C'est un acte fatal. Hein? C'est fatal. Donc, voilà. Même face à face à ce coup de poing, elle ne pouvait pas gagner ce procès face à moi. C'est impossible. C'est impossible. Parce que quand une personne, tu dis qu'une personne t'a attaqué et qu'une personne dit qu'elle était dans les répliques et qu'il y a la preuve comme quoi.